Un enfant de 12 ans a été arrêté à Kirkouk, au nord de l'Irak, alors qu'il s'apprêtait à commettre un attentat suicide. Les images d'une chaîne locale kurde montrent que des officiers de police ont immobilisé le garçon pour lui retirer la ceinture explosive dont il était muni et ont ensuite procédé à une explosion contrôlée de sa charge. Lors de son interrogatoire, le jeune poseur de bombes a affirmé avoir été kidnappé par des hommes masqués et forcé de porter une ceinture explosive. Une arrestation qui intervient 2 jours après un attentat meurtrier à Gaziantep, en Turquie, qui a fait au moins 54 morts, dont 29 enfants, et une petite centaine de blessés. Une attaque qui, selon les autorités locales, aurait été commise par un enfant âgé entre 12 et 14 ans.